quoi là? C'est une caméra? Ah, oh, vous faites un film sur moi? Enfin, sur nous, les fourmis? Encore un? Vous n'êtes pas les premiers, vous savez. Vous dites un film qui expliquera nos vraies vies? Ma foi, nous, les fourmis, ne pensons pas comme vous. Et nous employons entre nous un langage chimique. Mais si vous nous soufflez les textes, on peut vous aider. On ne s'ennuie jamais dans ce nid. Mes sœurs et moi sommes toujours occupées. Les larves blanches, là, sont mes plus jeunes sœurs. Elles sont aveugles et ne peuvent pas marcher. Mais elles sont aussi très occupées car elles passent leur temps à manger. Là, ce sont nos reines. Nous en avons 5 dans la colonie. Elles ont perdu leurs ailes il y a plusieurs années déjà. Vous voyez, elles sont beaucoup plus grosses que nous. Elles peuvent pondre plusieurs centaines d'œufs chaque jour. Mais c'est nous, les ouvrières, qui donnons tous les soins aux larves jusqu'à la fin de leur métamorphose. Autant dire que nous faisons le gros du travail. Sans nous, les reines ne pourraient jamais avoir tant d'enfants. Moi, je suis encore jeune, alors je reste à l'intérieur du nid. Mon travail est de garder le nid propre. Faire le ménage, quoi. Tous les restes de nourriture doivent être jetés dehors. Et pour éviter les maladies, nous nous nettoyons très souvent. D'ailleurs, les fourmis ont des glandes spéciales pour produire des antibiotiques et tuer bactéries et champignons qui pourraient nous rendre malades. Si on ne fait pas attention, les microbes pourraient vite se développer dans notre nid. Tant de fourmis ensemble dans un si petit espace. Une fois vieille, j'irai chercher la nourriture dehors. Mais pour le moment, je nourris les larves. Je les nettoie, je les porte, comme si c'était mes propres enfants. Bien sûr, tu n'as pas le choix. Tu n'auras jamais d'enfants et tu resteras vierge. Pourquoi me regardes-tu comme ça? N'est-ce pas normal de ne pas avoir d'enfants? On voit que tu n'es jamais sortie du nid. Vous, les jeunes, vous ne connaissez rien du monde extérieur. Chez les autres insectes, la reproduction est la priorité absolue une fois adulte. Je suis curieuse de les voir vivants, ces insectes. D'habitude, on ne voit que leurs cadavres arriver au nid. Tu dis qu'ils fondent tous une famille? Tous cherchent à avoir des enfants. Par contre, après avoir choisi un endroit pour pondre leurs œufs, les mères ne s'en occupent pas. T'imagines, leurs larves doivent se débrouiller toutes seules. Ah bon? C'est vraiment pas comme chez nous alors. Chez les fourmis, seules les reines ont des enfants, mais ils ne sont jamais abandonnés. Au contraire, on les entoure de tous les soins imaginables. Quand je suis dehors en quête de nourriture, je rencontre souvent des papillons. Leurs larves, qu'on nomme chenilles, sont totalement différentes des adultes, comme chez nous. Mais les papillons ne vivent pas en famille. Les chenilles sont autonomes, elles se déplacent avec leurs pattes minuscules et elles mangent des feuilles à longueur de journée. Oh, sans blague! Leurs larves peuvent marcher et se nourrir toutes seules? Oui, mais elles prennent de gros risques. Pour éviter d'être mangées par les oiseaux, les chenilles doivent soit se camoufler de leurs prédateurs, soit stocker dans leur corps des produits qui ont très mauvais goût. Enfin, ça ne marche pas toujours. Et les chenilles meurent souvent avant de devenir adultes. C'est pareil chez les mouches, ou chez les scarabées. Tu m'épates avec tes histoires du monde extérieur. Ces chenilles ont vraiment une vie misérable. Chez nous, les fourmis, les larves ont des nourrices à plein temps. Leur croissance est rapide car elles sont bien nourries et elles sont gardées à la bonne température et bonne humidité. N'oublie pas non plus que nous empêchons les prédateurs et les parasites d'entrer dans le nid. Ainsi, presque toutes nos larves survivent. Regardez, même pendant la métamorphose, elles restent nues. Pas besoin de tisser un cocon car elles n'ont rien à craindre. Les nourrices et les gardes veillent. Tu as tout compris, vivre en famille est plus facile. Il n'y a que nous, les vieilles, qui prenons des risques à l'extérieur pour vous nourrir toutes. Mais tu te demandes d'où vient toute cette nourriture. Allons voir dehors. Les insectes meurent n'importe où.
Alors je marche en rond dans des endroits que je connais et j'ai de bonnes chances de tomber sur un cadavre comme celui-là. Après, je reviens vite au nid en laissant une piste sur le sol. J'ai une glande spéciale avec mon abdomen qui produit ces odeurs de piste. Moi, je viens de commencer à travailler à l'extérieur et je n'ai pas encore l'habitude de m'orienter par moi-même. Aussi, il m'a suffi de suivre cette piste. D'autres ouvrières ont fait de même et on était rapidement toute une équipe. Hé, regardez, la grande fourmi noire arrive. On la voit souvent dans les parages. Elle peut chasser des insectes toute seule. Quel phénomène! Nous sommes si petites. Elle ne sait peut-être même pas qu'on est là. Imagine la quantité de nourriture qu'il faut pour nourrir les larves de ces monstres. Nous mesurons à peine 1 millimètre en revanche. Nous sommes des milliers dans la colonie, donc une famille très nombreuse. Nous sommes minuscules, mais tout aussi efficaces. Regardez comme les ouvrières courent le long de la piste. Quel beau travail d'équipe!